vais avoir 35 ans. Et alors? 35 ans, c'est la date de péremption pour une actrice. Elle est trop vieille pour le rôle, et elle est belge. T'es une battante. Mais oui, t'es la plus forte, c'est comme Rocky, tu te relèves toujours. Ton problème, Emma, ce n'est pas un manque de talent, mais ta personnalité. Mais on sait jamais quand tu joues et quand tu joues pas, c'est drôle. Non mais pour moi, c'est un job alimentaire. Hein. Je veux dire, quand vous étiez enfant, vous vouliez pas vendre des frigos, non? Dites-moi une chose qui fonctionne parfaitement chez vous. Rien ne sert d'arroser une fleur morte. Fleur morte. T'as tout compris? Bah, il était temps. Bonjour. Vous venez pour le laisser d'un proche? Oui, mais la personne n'est pas encore décédée. Elle est en phase terminale. Ah, c'est pas votre nom qu'il faut mettre, c'est le nom du défunt. Oui, oui, c'est bien ça. J'ai décidé d'en finir. En finir avec quoi? J'ai gâché les 10 dernières années de ma vie, alors voilà, j'arrête. Bah, tu veux plus faire actrice? Tu pars? J'allais t'en parler. Je me suis suicidée le jour de mon anniversaire. Bah, si t'as besoin d'aide... Je me l'entends pas. Ouais, c'est intéressant. Tu as peur de souffrir, mais tu n'as pas peur de la mort. Bah, t'es un peu bizarre, mais t'es pas plus déséquilibré qu'une autre, hein. Moi, je trouve ça passionnant qu'on ait peu de temps pour apprendre à se connaître. Contente? Est-ce que c'est vrai? Vous savez quand Emma a quelque chose dans la tête?